Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha, dans mon costume de Bob Lennon avec la super voiture de luxe alors que je m'apprête à aller acheter des armes accompagné de Chippy Day, un personnage qu'on peut télécharger. Je crois que c'était un perso que la communauté Saints Row américaine aimait bien. Tiens, un fan, hein, finalement, ils l'ont rajouté dans le jeu pour une raison qui me semble parfaitement obscure. Bref, tu peux retourner des ténèbres obscures qui t'ont fait apparaître, démon, et Fanta va bientôt me rejoindre. Bonsoir. Voilà, et donc là, c'est Fanta Moto. J'arrive dans ma tenue de biker pour rejoindre moi aussi Bob et acheter des flingues après avoir acheté des fringues. Tout à fait, donc, tout voilà. À fait. J'avais l'intention d'augmenter ces pistolets de base, parce que vous voyez, niveau 1, niveau 2, ça augmente les chargeurs, niveau 3, le silencieux augmente les dégâts et diminue le recul. Vous savez que c'est pas ça que ça fait, un silencieux, hein, mais bon, c'est pas grave. Et la visée laser améliore la précision de la tire à la hanche, et balle perforante transperce l'armure. Balle perforante, c'est pour ça que je voulais l'acheter. Donc maintenant, on a ce pistolet et il est upgradé à fond. Ensuite, la machine gun pour diversifier de celle de Fanta qui lui tire des balles perforantes à proton, des balles bleues hein, qui font pipi pipi. Oui, tout à fait. Voilà, je vais prendre la première parce qu'au niveau 4, il me semble qu'elle tire des balles incendiaires et ça m'intéresse. Upgrade 1, upgrade 2. Il y a plein de militaires dans les rues. Hein. Ouais, fais pas gaffe, c'est pas grave. Ils décorent, ils sont là, ils sont beaux. Hop. Améliore la visée. Et là, je suis devant le magasin. Ah, t'as une belle voiture, mais ouais. J'ai une chouette moto. Bah, on se mettra dans ta moto pour le plaisir. Mais le fait avec des balles incendiaires, non merci. Fais voir ça, le fusil à proton. Alors, munitions. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de rechargement, mais il surchauffe rapidement. Oh. Il est sympa le fusil à proton Stag. Il coûte cher, mais il est sympathique. On peut pas l'améliorer lui. Ok. Là, je tiens à améliorer l'arme. Ok, je suis déjà niveau 4 quasi partout. Fusil laser. Ah, c'est pas mal quand même le fusil laser, hein, mais ça coûte encore une fois très très cher alors que le fusil des travailleurs. Ah ouais, le cher. Fusil laser des stags là que t'es en train de prendre. Ouais, c'est ça. Ils ont un fusil à pompe et un fusil laser, ils proposent les deux. Augmente tes dégâts. Et roquettes guidées, laser, suivent tes ennemis, ok. Je suis en train de faire du petit achat, hein. Augmente la capacité de munitions, fait exploser le véhicule, contrôle les véhicules militaires. Ouais, puis ça coûte, c'est 100 000 dollars d'investissement. Mais ça vaut le coup, Fanta. Oui. Je vais investir une grande partie de mon pognon dans un processeur RC de level 4. Oh, ça m'a coûté cher. 54, 27 et 13, ça fait 40. Je suis fauché, moi. 40, ça fait 94 500 dollars. Bon, ça m'a coûté 100 000 dollars, mais au moins là maintenant, Fanta, je peux prendre contrôle des véhicules militaires. Ah, bien, bah c'est ce que je voulais augmenter, j'ai pu. Hop, ça. On aurait ça, pu ça, faire ça. Un contrôle de voiture télécommandée. Ouais, mais il y a une distance limite, il me semble. Pas grave, on peut jouer au tapas de couilles sans être dans la bagnole. Mais c'est moins drôle. Ah, je me suis donné un coup tout seul. Ok, je crois que j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. Je vais donc profiter aussi pour augmenter un peu mes aptitudes. Capacité double mitraillette pour 54 000 dollars, je l'achète. Wouah! Ça fait mal, mais ça fait un bien fou. Ta femme te le dit souvent. Bon. Augmentation du sprint, 75%. Bam! Ah, ça fait toujours mal aussi. Mais voilà, j'ai 100 000 dollars, il faut que je commence aussi un peu à le dépenser. Régénération de level 3. La régénération de level 4. Non, il faut le laisser. Dégâts. Réduction des balles, je peux pas. Réduction des dégâts causés par les chutes. Réduction des dégâts causés par les explosions, je l'achète. 5% de dégâts en moins. 10% de dégâts en moins. Vraiment, j'achète plein de capacités. Voilà, je réduis les dégâts du feu. Les dégâts causés par les collisions avec les véhicules de 30%. Ça fait un bien fou. Explosion, pas d'inertie, non. Combat. 50% de mission de pistolet en plus. Ah, ça m'a enlevé de mon menu. Laisse-moi améliorer mes choses. C'est pas vrai ça. Donc. Comment ça tes choses? Hop. Pistolet level 3 qui me permet de transporter énormément de munitions. Puis une munition de pistolet limitée, ça c'est craqué ça. Je veux pas ça. C'est pas drôle sinon. Tu recharges toutes tes armes plus vite. Ça par contre ça m'intéresse.
toutes mes armes de recharger plus vite. Ça, ça m'intéresse. Recharge auto, non merci. Munition, munition, munition. Fusil à pompe, explosif, combat rapproché, du muscle, machin. Véhicule. Véhicule pour 56 000 $. Tous les véhicules code conduit sont équipés de nitro, plus tard. Capacité gang. Équiper mon gang de mitraillettes, c'est peut-être un bon début. Pas de fusil à pompe parce que c'est de la merde. Survie. Hélicoptère. Trouve un pote pour l'hélico dans le menu téléphone de ton portable. Il t'enverra un hélicoptère pendant le combat. 18 000, j'achète. J'achète, super, j'achète, j'achète. Tank, ah, je suis désolé. Pote tank, pour 19 000, il m'envoie un tank. Disons que ça peut être utile, ça aussi. Même si je peux en déjà en invoquer un, au moins ça pourrait me sauver d'une situation. Et enfin, Fanta, dans bonus, il faut que tu l'achètes pour 6 000 $. C'est 5% en plus sur tout le respect gagné. Donc en clair, c'est 5% en plus sur tout le l'XP gagné. Et après, t'as un autre niveau à 13 000, 10% en plus sur tout le respect gagné. Après, c'est le jeu personnalisable. Ok. Et j'ai gagné 39 000 dollars parce qu'il n'y a pas de respect. Pendant que je customisais. Elle est où ta moto, Fanta? Oh, fais voir un peu à quoi tu ressembles. Elle est là, mais je pensais qu'elle serait plus, qu'elle déchirait plus, mais elle est au max. Elle est au max, tu veux monter dessus. Il est en feu. Et je lui ai mis une balle et il est en feu. Vas-y, go for it. Voilà, après on viendra chercher ta voiture qui est sans problème. Non, ta moto est très très bien. Alors Fanta, l'objectif de notre déplacement va être de se déplacer au sud de l'Ether Endless. Donc tu peux continuer à suivre le radar. D'accord. Parce qu'aujourd'hui on va acheter des choses. Et là on va au nord là. Non, va à gauche, trop tard. Non, reviens, demi-tour. Demi-tour. Là tu prends la première à droite. Pas littéralement, mais pourquoi pas continuer tout droit. Et tu feras un demi-tour pour monter sur le pont. Attendez. Allô. Puff, demi-tour pour monter sur le pont, tout droit maintenant. Voyons voir la map. Ok, à l'issue de ça, lorsque tu auras la possibilité, tu te prendras à gauche à la sortie du pont. Tout à fait. À la gauche. Voilà, à droite maintenant. Voilà, à gauche. Trop tard. À gauche alors. Parfait. Et stop, nous y sommes. C'est là. À vendre ici. Pour 1 000 $. Je prends. Hop là. Ensuite, à environ 50 mètres, même pas, se trouve un image as designed. Donc là, c'était le projet de contrôle de cette île qui n'avait pas grand chose à faire pour le voir et qu'on n'avait rien. Tout à fait. 5 000 $. Et combien de temps il nous reste? Pour faire quoi? Pour, je sais pas. Ouais, plein. Bon, plein. Hop, Chaos Tank, c'est parti. C'est que tu leur mets la pression, fan, hein, quand tu dis ça. Ouais, mais je j'ai d'habitude. Non, putain, non. Mais d'habitude, vrai, moi aussi, j'ai le timer, mais là pour cette session, mon portable n'a plus de batterie. Et allons-y. Alors. 1 200 000 $, et on a intérêt à avoir un bon combo. Tu t'occupes de la partie droite de la rue, je m'occupe de la partie gauche. Ok. Continue de maintenir le combo. Autant que possible. On a gagné, Fanta. Ça, 1 200 000 $. Ça y est, c'est fait. Tu peux arrêter de tirer. Oh, il y a une pauvre petite voiture. Bon bah... Putain, en 2 secondes... Oh, on est trop fort. Merci les tanks. Tu le sais déverrouiller. Tu peux maintenant avoir des zones de la garde dans ton gang. Qui sont les zones de la garde? En même temps, on a vachement augmenté nos dégâts. Oula. Ah non, d'accord, c'est une fusée, Fanta. Quoi? Ce que je regarde. Ah oui, tout à fait, tu croyais c'est que c'était... C'est une fusée. Même pas, c'est pas une fusée, ça. C'est une fusée. Donc, il y a une opération gang qui n'est pas très loin. On va y aller rapidement. Grâce à l'invocation d'un véhicule que tu vas pouvoir conduire, Fanta, il va te faire plaisir. Ah, tiens, bah, c'est des planètes, là.
C'est des planètes. Fanta. C'est des planètes, Bob. Oui, c'est des planètes, sans doute. Fanta, Fanta, Fanta. Viens par là. Il est pour toi, ce véhicule. Ah ouais, bah oui, c'est Fanta Biker. Eh ouais. Fanta Moto. Ah bah... conduis. J'étais en mode pouf. Allez, je prends ta moto. Allons-y. Tiens, regarde, alors. Des planètes, je t'ai dit. Ah oui, d'accord, oui, des grosses planètes. Tourne à gauche. Encore à gauche. Droit. Ouais, j'ai vu moi aussi les poupées gonflables, chers amis, c'est pas grave. À droite. Ah. Gang. Ouais, c'est non ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc on y va doucement. On va les ta moto est vachement mieux customisée que la mienne. Attends, on les asticote. Et. C'est parti. Etico! Wouah! Putain! C'était un peu overkill ça, Fanta, mais. C'est pas grave! Tiens, moto! Ah non, attends! Tu entends cet hélicoptère? Ah oui, on prend l'hélico, voilà. À moi! Merde, oh non! Qu'est-ce que. T'aurais pas pris l'amélioration 3? Non, je l'ai pas fait. Ah, j'appuie sur X, oui. Si, non, attends, j'appuie sur triangle. Je sais pas en fait. Amélioration 3 fait exploser le véhicule que tu contrôles. Alors je sais pas, j'ai peut-être appuyé sur le mauvais bouton, c'est pas important. On se casse. On se casse. Hop. D'accord. Oula, on se casse. Alors attends, meanwhile, pendant que je regarde. Ah. Juste sur notre droite, nous avons un labo de Metz. De Metz, hein. De méthamphétamine. Les choses okay, comme les routiers. Tu sais. Hop. Ah dommage, j'avais tué le conducteur. Pour 1000$. Un petit labo de messe, ça fait toujours plaisir. Hop. Ah c'est ça, c'est triangle pour l'autodestruction. C'est bon, l'hélico est à nous. Oh putain. Il y a un vilain Fanta. Il y a un Fanta démoniaque. Voilà, ensuite notre point suivant. Là, derrière nous. Gop, Bob qui mettra comment on va prendre contrôle du truc en 2 secondes. Ah ouais, bah écoute, on a fait ça. Surtout la mission KO, hein, à 1,2 million en difficile. Je tout mon respect, Fanta. Là, Ouais, on est des bêtes, on est des champions. We are the champion, Mindfly. On se pose raisonnablement. Oh, t'as pas de couilles, Bob. Ah, tu t'es scratché sur l'hélico. Même pas mort. Alors, hop, on achète ça. Oh putain, je me suis roulé dessus. 1000$ ça coûte. Bien. Passons. 1000$ ça coûte. Puff, puff, puff. C'est moi ou on nous manque de respect? Ouais, mais ça gère. Moi perso, je sais pas toi, mais là je le vis bien. Tout va bien, on est des champions. Bah, c'est juste qu'il nous manque peut-être respect, mais on vient de prendre possession de 90% de leur territoire en moins de 30 secondes. Donc pour moi, là, y en a pas de respect. Y en a pas. Au sud de la piole de Seamouth, il y a une dernière activité Fanta avant d'avoir le contrôle total de l'île. Je sais pas si t'as remarqué. Ah oui. Est-ce que je vérifie si on a le contrôle total de l'île? Non, il y a encore... Ah, encore un tout petit point de rien du tout. Mais c'est parce que la mission, magasin, ouais. C'est parce que la mission qui est allouée n'est pas débloquée encore. Il y a deux magasins à acheter. Deux magasins? Oui. C'est où ça? J'ai Free and Fire, pas très loin, et un peu plus haut, le Curly Shop Block. Ah merde, bah moi je les ai, il me semble. Ah d'accord. Je sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais c'est pas grave. On est juste à côté de la piole de Zimos, donc on pourra choper des véhicules intéressants, pas de soucis. Bien. On a juste tellement d'entraînement, c'est la violence. Ok, trafic. Tu sais, on amène le pimp vendre ses catalogues à un endroit. C'est les derniers. More business means more money. And ain't nothing better than my babies. You and I have a bright future together, Z. Don't think I don't know it. Oh putain, un Oleg. On aurait peut-être pas dû les exciter avant de... Entrer dans la zone protégée. D'accord, c'est pour ça qu'ils s'énervent. Protège le dealer ainsi que l'acheteur.
Ah oui, c'est pour ça que j'ai... Ou pas de lance-roquette par contre au corps à corps de notre voiture, Fanta. J'ai besoin qu'elle marche et merde. Ah ouais, mais là c'est un peu tard. Hein. La bagnole, il y en a plus. Je le tiens. Ah, vas-y, finis-le. Je transaction terminée, passe au lieu suivant. Ouais, on n'a pas le choix. Tiens, monte dans ma caisse. Ah merde. N'importe... Enfin, n'importe laquelle. Mais Simon, il est où? Il est où, Zimo? Il est en bas. Ah d'accord, bah, il va pas sortir hein, si je l'écrase. Monte dans ma caisse. Alors c'est bon, il est dedans. Moi je l'ai, donc on se rejoint. Oh putain, je tombais dans l'eau. Ouais, c'est, fallait faire gaffe ici, ouais, c'est le piège. Mais je, moi j'essaie de pas le foutre à l'eau, justement le Z-Mouse. J'essaie de gérer ça comme une star du X. Ouais, c'est bon, je gère. T'es là? Ouais, ouais, t'es à bord, putain. Si ça, c'est pas de l'organisation comme on l'aime. Non, 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 pas de lance-roquette, Fanta. Du calme avec le lance-roquette. Si! Non, non! Oh, miséricorde. Ok. Oh, on est libre. On est libre, on est libre, on est libre. Let's get some business going, it's Imos. Je pensais que ça passait par là, mais... Voilà. Je peux avoir du classique? Ok, celui-là, il dira pas non. Protège le dealer ainsi que l'acheteur. Ok, donc lui, bagnole, tu décolles. Non, pas de lance-roquette, t'as mis le feu à Zimo. Ouais, mais ça marche. T'as mis le feu à Zimo. Ouais, Zimo, il est en forme. À part le fait qu'il a l'air d'être aveugle. Pas aveugle. Non, c'est calme d'un coup. Attends. 5 étoiles. Attends. Ça peut mal se passer. Non, transaction terminée, lieu suivant. J'étais mauvaise langue. Bien joué, Fanfan. On a plus qu'à attendre notre ami Zimo. Prends ton temps. Hein. Ouais, bah il peut, il peut. Il peut prendre son temps. Hein. C'est-à-dire, on est au calme là. Ouais, y'a personne. 5 étoiles, y'a personne. Ah, ne le rentre pas dedans, ça, ouais. Il est immunisé aux voitures, le mec. Tu as acheté ce magasin? Non. Ah bah oui. Ah, j'en sais rien. Si tu t'arrêtes devant un magasin qui a pas, que toi t'as pas acheté, hésite pas à le prendre parce que moi je possède tout sur cette île, hein, c'est pour ça. C'est dommage parce qu'on a toujours tout fait ensemble. Il y a dû avoir une merde au niveau des sauvegardes à un moment et... Ah, pourquoi vous avez sauté? Bah parce que c'est là. C'est là où je suis. Ouais, bon, c'est pas grave. Bien joué, Bob. Précision. Ouais, j'attends le... J'attends de savoir si... Voilà, tu vois, il est devenu rogue au dernier moment, le client. Genre le client, il voulait pas acheter des choses. Je l'ai tué, ah, mais d'accord. Genre direct. Bien joué. Je suis derrière. Alléluia, alléluia, gloria. Je sais plus comment elle s'appelle cette musique. Alléluia, alléluia. Oui, oui. Mais elle a un nom, je crois. Attends. Bah, c'est un alléluia. Bon, il s'appelle alléluia. Ok, ok. Après, l'art, le musicien, enfin le compositeur, c'est Handel peut-être. Peut-être. Alléluia, c'est du latin. Oui. Ça veut dire Loué soit Dieu. Oh. Ou loué soit lui en fait. Non, Yah c'est Dieu. D'accord. et encore, je dis que c'est du latin, mais c'est peut-être même de l'hébreu, parce qu'en hébreu, Yah c'est aussi Dieu. Ouh, attends. Ah, trop pas. J'avais un mec qui voulait me prendre une photo avec nous. Il s'est fait rouler dessus par 300 gangs. Là par contre ça va être plus difficile ici pour protéger le deal, j'en ai peur. C'est peut-être plus ce de l'autre. Par exemple, Amen et Amine, c'est très proche. Ça veut dire la même chose. Latin et pot. Merde, le dealer qui est devenu renégat. Comme je l'ai fuck up,
Les flics te poursuivent. Fuck. Merde, c'était les flics en fait. Ouais, bah je suis en train de les buter. Putain. Je suis en train de me prendre des coups de snipe, on dirait. Ok, on y va avant que l'autre. Allez, monte Zimos. Non, non, il y a le gros là. Ouais, il va falloir qu'on les retienne un peu. Blah. Je n'ai pas eu le réflexe de le voir celui-là. Oh, oh putain, il me tient. Oh, 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 il me fait mal. Putain. C'est mal. Hein. Arg. Ah, si tu as le droit. Bien. Eh bon. Allez. Non, c'est bon, caisse. Je l'ai. Oh. Monte dans la caisse, Bob. Oh, oh, oh. Bitch. Ah. Brutalité. Fatalité, c'est bon. Putain, j'ai une vieille voiture de flic toute moisie. Allez, allez, relève-toi, Zimos. Je suis avec toi. Il manque plus que le Zimo dedans. Il a pas l'air motivé. Putain. Allez, monte. C'est la galère. Bah attends, il s'est trompé de caisse, le Zimo. Bien joué. Bien joué, bien joué. Allez. C'est bon. Il est à bord. Allez, on termine ça. Tiens, le gyrophare, il sonne plus. Ah, c'est bon. Gyrophare ne sonne plus, c'est The Up, ça fanta. T'as vu? Ok, ok. Ouais, non, mais je suis sous pression là. Ok, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. C'est le dernier après. La dernière, on a gagné. Il faudra qu'on le ramène à son point de départ. Mais on a win. Basiquement, on est en auto-win là, Fanta. Oula. Ouais, ouais. C'était oula cool. Cette conduite. Pardon, excuse-moi. Oups. Qu'est-ce qui. Ah, un muret. Le gars, il veut. Ok. Putain, bah ils nous suivent de près. Hein. Puis ils sont doués, hein. Moi je peux pas conduire comme ça. Voilà. Okay, ok, on va pas. Je vais pas perdre l'acheteur de vue, la vieille. Je la déglingue dans sa face si jamais elle fait le moins de mouvement. Non, elle est clean. Allez, viens. La voiture viens, rouge. Non, moi, je suis en super état, on a géré comme des brutes. Bon, bah, j'ai un peu roulé sur la cliente, mais. On dira, ils ont l'air pas l'air de. Putain, t'as vu? Pour tourner à droite, Fanta, moi je fais un. Je fais un demi-tour sur la gauche. 360. Ouais, c'est ça. Ok. Yeah. Bon, bon, attends, bon, 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 pendant qu'on approche de la fin, les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous demain sur Fantabob Games. Au moins exactement, c'est... et là au moins, aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, demain on s'intéressera à l'histoire, promis, hein, on va pousser un peu plus l'histoire. Mais là aujourd'hui, on aura pris possession de tout ce putain de pays. Il manque peut-être un ou deux magasins pour Fanta, mais on va les acheter en off parce que moi je les ai ouais, déjà. Tu sais, on va régler cette irrégularité. Voilà. Et ça, c'est la victoire! Yeah! Yeah! Gros bisous à tous et à la prochaine sur Fantabob Games. Allez, zou! Et on va changer de vêtements pour la prochaine fois. Hop!